Hello guys, je suis Sandy Marmier et comment vous dire que c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro de Style Diary sur Fashion Africa Channel. On va pas perdre plus de temps, on va commencer maintenant. Le footballeur Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, la star du foot camerounais. Natif de Nkan, banlieue de Yaoundé, Samuel Eto'o fils fait ses premiers pas dans le quartier de Mvog Ada, l'un des plus démunis de la capitale camerounaise. Pour offrir une vie plus confortable à ses six enfants, David Eto'o, son père, comptable de formation, conduit les siens à Douala. La famille s'installe à Nioubel, quartier sensible de la cité portuaire. Sur les terrains vagues bosselés, Samuel, fan de Roger Milla, dribble en liberté avant de rejoindre l'Union camerounaise des brasseries de Douala. À 13 ans et demi, l'attaquant impose son style en deuxième division locale. Une poignée de buts et il débute avec les cadets camerounais avant d'être surclassé. Samuel Eto'o est le meilleur footballeur africain de tous les temps et le plus talentueux de sa génération. Il a réussi dans sa carrière à se hisser au sommet du football mondial et a accompli ce qu'aucun de ses pairs n'avait pu concrétiser auparavant. Véritable idole et fierté de tout un continent, il représente le rêve et l'espoir pour des millions d'Africains et bien au-delà. En véritable prodige du ballon rond, Samuel Eto'o accumule les titres, enchaîne les succès et devient rapidement le modèle de toute une génération de jeunes à travers le monde qui rêvent d'atteindre, comme lui, les sommets du football. Début septembre 2021, Samuel Eto'o se déclare officiellement candidat pour le poste de présidence de la Fédération camerounaise de football, la dite FECAFOOT. Il est finalement accepté et lors des élections du 11 décembre 2021, Samuel Eto'o remporte le vote en battant son principal adversaire, Seydou Mbono Djoya, pour 43 voix contre 31. Il devient ainsi le nouveau président du football camerounais. Après le vote, il déclare avec beaucoup d'émotion dans sa voix « Je me souviendrai d'aujourd'hui comme l'un des moments les plus fiers de toute ma vie. Je suis profondément reconnaissant d'être élu comme le président de la FECAF. » Samuel Eto'o est le meilleur joueur africain. Élu espoir africain de l'année en 2000, il est élu respectivement joueur africain de l'année en 2003, en 2004, en 2005 et en 2010. Élu meilleur joueur du championnat de Russie en 2013, meilleur joueur de la Coupe du Monde des clubs en 2010, l'homme du match de la finale de la Ligue des Champions en 2006, il reçoit le Lion d'or africain en 2004, en 2009 et en 2010. Samuel Eto'o, acteur de l'une des plus belles success stories africaines, est devenu au fil de sa carrière une personnalité mode à tel point que ses looks sont guettés à chacune de ses apparitions publiques. Revenons ensemble sur quelques-uns de ces looks qu'on adore. Dans ce premier look, qui soit dit en passant, lui va ravir, nous retrouvons le célèbre footballeur camerounais dans un total look noir avec un mélange de textures assez intéressant qui donne un rendu chic. Samuel porte un pantalon noir carotte avec un pull en velvet noir avec des empiècements dans des tons assez riches. Côté accessoires, il porte une casquette simple et une paire de perles-outils marron café. L'ensemble est assez frais et élégant. Qui porte le costume mieux qu'Eto'o fils, je me le demande. Dans ce look frais et sexy, Eto'o porte un costume croisé vert, gris, avec en dessous un tout simple t-shirt blanc qui casse l'effet trop formel du costume malgré la pochette en soie qu'il arbore. Côté accessoires, il porte une casquette noire et une paire de lunettes de soleil. Le tout est chic et assez passe-partout et on adore. La simplicité et le charisme sont, sans aucun doute, l'apanage de Samuel Eto'o. La classe lui vient tout en douceur et c'est quelque chose qui a su me conquérir. Dans ce street look, Samuel Eto'o est tout simplement somptueux. Il porte une chemise blanche près du corps avec un bas fait de plusieurs couleurs assez vives. Sa chemise calme son look et donne un côté plus chic à sa tenue. Fidèle à son élégance naturelle, il accessoirise sa tenue d'une pochette Yves Saint Laurent et d'une montre en argent. Son look est comble à l'accoutumée ravissant. Les bérets et les casquettes sont des pièces qui peuvent être assez vieillots s'ils sont mal portés, mais bien ajustés, ils savent donner du style à une tenue plutôt simple. Ce look nous le prouve. L'ancien international du FC Barcelone opte pour un style monochrome, passe-partout, mais avec une pointe de fantaisie qu'on adore. Il porte en base de tenue, un jean et un t-shirt noir avec un bomber léger vert kaki et une casquette de la même couleur. Pour la fantaisie,
Il ajoute à son ensemble une écharpe dans les tons blanc, vert, bleu et rouge, assez ravissant. Sa tenue est simple et efficace. Le désormais président de la FECAFOOT est un homme qui porte bien le costume et son look le prouve. Simple et efficace, Samuel Eto'o a opté pour un costume noir avec une belle chemise blanche. Sa cravate noire et son costume parfaitement ajusté lui rendent justice. Comme disent les fans de Game of Thrones, l'hiver vient. Samuel Eto'o est sacré l'homme le plus élégant de l'hiver avec ce look à tomber par terre. Il porte un pantalon de costume avec une chemise blanche et un pull très BCBG gris noir. Il rajoute par-dessus un élément manteau de fourrure noir et marron complètement somptueux. Côté accessoire, un simple chapeau. Son look est d'une élégance indéniable. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine sur Fashion Africa Chanel.